Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Merci d'être toujours aussi nombreux, voire de plus en plus nombreux à suivre nos aventures. Bonsoir Georges. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous depuis hier, Georges ? Eh bien, ça va bien. Bon, vous venez de Lyon. C'est Josette, votre épouse, qui est là pour vous soutenir. Bonsoir Josette. Bonsoir Jean-Pierre. On a évoqué vos noces d'or hier. Ça fait combien d'années de mariage, les noces d'or ? 50, on a passé le cap, ça y est. Vous avez passé le cap ? Ah, ce sont les 50 premières années les plus dures, difficiles. Ouais. Après, c'est de la rigolade. Le premier mois qui a suivi est pas mal, déjà. Le premier mois qui a suivi est pas mal. Architecte, et vous avez conçu, notamment à Lyon, nous l'avons évoqué hier, différents édifices. La pyramide telle que nous l'avons laissée, eh bien, vous avez 1 500 €. Vous avez choisi la prudence en utilisant le public pour la littérature dite fantastique hier en fin d'émission. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à répondre à la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e pour atteindre les 48 000 €. Et mieux, cela dépend de vous, pour atteindre le million. Trois jokers sont disponibles, 50-50, le coup de fil et le vote, et le switch, pardonnez-moi. Le vote du public a été utilisé, je le disais, hier. Voici Georges et Josette, son épouse. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Sixième question. Ah, dans l'émission télé L'île aux enfants, voici venu le temps. Comment le renard grognon s'appelait-il ? Oscar, Bernard, Léonard, Édouard. Aucune idée. À partir du moment où l'émission de L'île aux enfants, je crois ne jamais l'avoir vue. Dommage. Il y avait Casimir, vous savez, dans L'île aux enfants, voilà. Années 70, voilà. 70 à 80, il y avait Casimir. Et dans L'île aux enfants, il y avait un renard grognon. Je comprends aisément que vous ne sachiez pas. Ouais. Moi-même, j'avoue avoir les plus grandes difficultés. Non, je crois que je vais switcher. D'accord. Je pense que c'est peut-être plus raisonnable, oui, non ? Oui, parce que même le 50-50 donnera que deux noms sur lesquels il faudra faire tourner la pièce. Non, je préfère, je switch. OK. Nous switchons avec une nouvelle question. Vous m'auriez dit quoi ? Comme ça, pour le plaisir au hasard. Je veux dire Léonard, mais... C'était Léonard, en plus, oui. C'est toujours comme ça. Oui, toujours. Nouvelle question. Toujours pour 3 000 €. Quel animal a de fortes griffes acérées ? Le koala, le yak, l'orang-outan, la rainette. Alors, l'animal qui a de fortes griffes acérées. Koala, yak, orang-outan ou rainette ? Réponse A, le koala, c'est mon dernier mot. Là, ça rigole pas, là. Hein ? Même pas le temps de vous caser la question fatidique, que tout seul vous répondez. Ces griffes qui lui permettent de grimper aux arbres, c'est le koala. Bonne réponse à vous. Là, c'est mieux que L'île aux enfants, hein ? Ah oui, quand on sait, on sait. Voici la question qui vaut 6 000 €. Quel est le titre du film qui vient de recevoir la Palme d'Or au Festival de Cannes ? Sur les murs, entre les murs, contre les murs, dans les murs. Dans les murs, mais... Là, il faut passer un coup de fil. Voilà, c'est ce que j'avais proposé. Mais qui ?
Ne bougez pas là, ne bougez pas. Victor Hugo, hein, un peu quand même, non? On l'a jamais dit, non? On m'a traité de Karl Marx en Russie. Karl Marx, oui. En Russie, et en Chine aussi. Qui? En Chine, on m'appelait Marcus. On vous appelait Marcus en Chine? Mais là, je vais trouver un petit côté, mais oui. Comme ça, on oublie. Ils sont déjà dans le dictionnaire, oui. Oui. Bon, mais je vais appeler Pascal. Qui est-il, Pascal? Dites-moi. C'est notre fils aîné. Très bien. Appelons votre fils aîné, en espérant qu'il puisse répondre à cette question. Bonsoir Pascal, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, je suis avec deux personnes que vous connaissez très bien. Oui. Georges et Josette, et nous avons besoin de vous pour une question qui vaut 6000 euros. Oui. Voulez-vous aider votre papa? Bien sûr, sans problème. Alors attention, voici la question. Allez-y Georges. La Palme d'Or au Festival de Cannes a été attribuée à sur les murs, entre les murs, contre les murs, dans les murs? La Palme d'Or, elle a été attribuée au film... Un film français. Oui, Laurent Cantet, à Entre les murs. Tu es sûr? Certain. Ça fait plaisir d'entendre ça, oui, non? Oui, ben écoute, merci, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, mais c'est, je pense, Entre les murs. Alors, ça ne mérite d'être clair, net et précis. Alors, en père discipliné, je vais répondre à mon fils aîné. Réponse B, Entre les murs. C'est votre dernier mot? C'est le sien, donc le mien. Laurent Cantet, qu'est-ce que vous en pensez, Josette? Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, hein? Alors, eh bien, ce film, récompensé il y a peu à Cannes, c'est Entre les murs, bien sûr. Entre les murs, eh oui. Je le saurai maintenant. Ben voilà. J'irai le voir. 21 ans après le film de Piala, Sous le soleil de Satan, voilà. Eh bien, merci à votre fils, vous avez 6 000 euros. Il ne vous reste que le 50-50, oui. Attention Georges, parce que qu'est-ce que vous consommez, dites-moi, comme joker? C'est incroyable, hein? C'est question bon. À 12 000 euros. Les corbières sont des vins, tiens, on parle de consommation, avec modération, AOC, qui sont produits dans le Jura, le Beaujolais, le Languedoc-Roussillon, le Bordelais. Pas que ce soit le Jura, le Beaujolais, non. Les vins de Corbière sont des vins d'appellation d'origine contrôlée, du Jura, du Beaujolais, du Languedoc-Roussillon, du Bordelais. Je serais tenté de dire le Languedoc-Roussillon. Si vous pensez que c'est ça. Réponse C, Languedoc-Roussillon, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vignoble situé surtout dans le département de l'Aude, c'est bien le Languedoc-Roussillon. Corbière, oui, appellation d'origine contrôlée du Languedoc-Roussillon. Bravo. C'était immédiat, mais je préférais analyser un peu. Mais c'est bien d'analyser, oui. Le vin. Le vin, mais il est naturel, le vin. Oui, bien sûr. Pas besoin d'analyser. Voici la 9e question qui vaut 24 000 euros. Pour sa chanson « Lemon Incest », Serge Gainsbourg a adapté une œuvre de Bach, de Beethoven, de Mozart ou de Chopin.
Une fois de plus, aucune idée. Ah. Aucune idée, non. De toute façon, il y a le 50-50, faut le prendre. Après, on verra bien. Ne serait-ce que pour le plaisir de l'utiliser. Absolument, et de... Hein? Absolument, il faut pas le laisser sur la touche. On y va? 50-50, oui. Ordinateur, allez-y. S'il vous plaît. Alors, c'est... Vous appréciez Gainsbourg ou pas? Oui, j'aimais Gainsbourg, mais... à analyser la démarche pour arriver au titre de la chanson... Non. Donc, en fait, c'est pas clair. Deux solutions. Ou vous répondez, ou vous partez avec 12 000 euros. Non, c'est trop aléatoire. Je crois que je vais m'arrêter là. J'aurai eu le plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Merci. Oui, je préfère. Donc, je m'arrête au 8e palier. C'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. 12 000 euros. Donnez la réponse, quand même. Ah oui, si vous voulez. Chanson qu'il a chantée avec Charlotte, sa fille. Vous avez une réponse, Josette, ou pas, non? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous m'auriez dit, alors? Moi, je vais vous dire Chopin. Eh oui, une étude de Chopin, bien sûr. D'après une étude, c'est la deuxième fois que vous me faites le coup. Oui. Vous l'avez remarqué. J'en reviendrai. 12 000 euros, félicitations. Merci beaucoup, Georges. Josette, et bon retour. Au revoir, merci à vous. Allez, l'occasion pour nous d'accueillir un nouveau candidat, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter celles et ceux qui jouent avec nous ce soir. Robert, les Bouches-du-Rhône. Marie-Thérèse et Hauts-de-Seine. Roger de Moselle. Viviane de l'Aisne. José des Pyrénées-Atlantiques. Alain de Moselle. Josette de Haute-Garonne. Frédéric de Seine-et-Marne, Geneviève de Haute-Vienne, Éric de Gironde. Voilà pour nos candidats. Un seul va me rejoindre. Il faut être rapide. Regardez, voici la question. Voulez-vous classer ces joueurs de tennis selon leur date de naissance, de la plus ancienne à la plus récente ? Fabrice Santoro, Jean Borotra, Pierre Barthès, Richard Gasquet. Alors, voici le bon classement. Regardez, peut-être l'avez-vous réalisé à la maison. Jean Borotra, le plus ancien, Pierre Barthès, Fabrice Santoro. Et le petit gamin Richard Gasquet, qui a bien répondu, regardez. Bravo, et le gagnant est Éric. Bravo Éric. Félicitations. Premier set. Eh bien, bravo cher Éric. Vous venez de Gironde, à quel endroit exactement? De la banlieue de Bordeaux. C'est Saint-Médard, c'est Saint-Médard ça en Jeanne. Saint-Médard en Jeanne. C'est Marilène, votre épouse, qui est là pour vous accompagner. Bonsoir, Marilène. Bonsoir, Jean-Pierre. Vous allez bien, Marilène? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous, dans la vie? Aide-soignante. Aide-soignante, très bien. Oui. Et vous, vous êtes assistant contrôleur de... Gestion. Oh là là, le contrôleur de gestion. Il en faut, hein? Il en faut. Pour que l'entreprise tourne bien, il en faut. Il en faut. Dans quel domaine? Dans l'aérospatial. Dans aéronautique. Aéronautique, aérospatial, pardon. Oui, aéronautique, voilà. Très bien. Regardez la pyramide qui vous attend. Pyramide de 15 questions, la première à 1500, la dixième à 48 000. À 1 million, on s'offre un tout petit bout d'Airbus. Et il y a trois jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Voilà Eric et Marilyn, ce qui vous attend. C'est tout simple. Je vous pose des questions, vous répondez aux questions. Il n'y a pas plus simple comme jeu. Vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Pierre. Ah ben alors allons-y. Eric et Marilyn de Saint-Médard-en-Jalles. En Gironde, joue avec vous à qui veut gagner des millions. Dans les gags au cinéma, on glisse souvent sur une peau de lapin, une peau de toutou, une peau de pêche, une peau de banane. Sur une peau de banane. On glisse sur une peau de banane, oui. 200 euros.
Depuis 1994, Arthur présente régulièrement l'émission Les enfants du magnétoscope, les enfants du lecteur DVD, les enfants de la télé, les enfants de l'écran plasma. De la télé. C'est une très bonne émission, les enfants de la télé en effet. Bravo. Pour conjuguer les verbes en français, on utilise souvent le participe passé, le participe repassé, le participe dépassé, le participe surpassé. Le participe passé. C'est en effet le participe passé, bravo. Question Eric, si vous êtes mal garé, la police peut immobiliser votre voiture avec un escarpin, sans méfier, avec une botte, une charentaise, un sabot. Avec un sabot. Avec un sabot, ça vous est arrivé, non? Non, pas encore. Non plus. Non, pas encore. Enfin, non, c'est jamais. Pareil que ça vient des États-Unis, un sabot de Denver, non? C'est ça? Je ne savais pas du tout, par contre. Je crois que c'est le sabot de Denver. Bon, mais écoutez, à moins que ce soit Anvers. Bonjour la Belgique. Eric, question pour le premier palier, 1 500 €. Quel était le surnom de Bruce Lee? Le canard boiteux, le petit dragon, Pandi, Panda ou la crevette musclée? Une crevette musclée. Je dirais le petit dragon. Ben je dirais comme vous, on a gagné tous les deux. Bravo, 1 500 €. Le switch arrive. Bienvenue au switch. Sixième question, Eric. En 1963, Claude Nougaro dédie une chanson à Cécile, sa fille, sa sœur, sa mère, sa femme. Si je me souviens bien des paroles, mais j'en suis plus sûr, mais je crois que c'est Cécile, sa fille. Ah, qu'est-ce qu'elle ferait, la chanson? À un moment donné, je crois Cécile... qu'il dit Cécile, ma fille. Si je... Je le vois comme ça. Mais bon. Alors, si vous pensez que c'est sa fille, donc, vous me dites... Réponse A, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Elle me dit, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile... Ma fille, en effet. C'était un gros succès à l'époque, hein, 63. Oui. Énorme succès de Claude Nougaro. On continue? On continue. Vous avez tous vos jokers, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Et Marie-Hélène est toujours dans le public, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Ça va, Marie-Hélène? Question. Ah, lequel de ces pays, comme nous, a un drapeau tricolore? Afrique du Sud? Royaume-Uni, Japon, Grèce. Alors, lequel de ces pays a un drapeau tricolore? Afrique du Sud, Royaume-Uni, Japon ou Grèce? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un doute. Joker, alors, hein. C'est là, il y en a quatre. Prenez celui qui vous fait plaisir. Moi, je vais prendre l'avis du public. Alors, public, à votre... uniquement si vous savez, hein. Attention, uniquement si vous savez. Lequel de ces pays a un drapeau tricolore? A, l'Afrique du Sud, B, le Royaume-Uni, C, le Japon, D, la Grèce. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. ...78% pensent qu'il s'agirait du Royaume-Uni. Comment vous le voyez, le... C'est celui-là que j'hésitais. Comment? J'ai eu un doute sur celui-ci. J'étais persuadé que c'était le Royaume-Uni. Mais j'ai eu un doute avec l'Afrique du Sud. Je voyais plus les couleurs de l'Afrique du Sud. Donc je vais jouer la réponse B, le Royaume-Uni, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Donc tricolore à trois couleurs. Oui. C'est ça, hein? Trois couleurs, oui. Et le Royaume-Uni, il est bleu, blanc, blanc et rouge. Et rouge. Bien sûr. L'Afrique du Sud, bleu, vert, rouge, noir, jaune, blanc, donc multicolore, et la Grèce, bleu, blanc, et le Japon, rouge et blanc. Rouge et blanc, ouais. Merci, public, au fait. Merci, public. Pardon. Ah oui, oui. J'allais vous oublier, pardon. Moi aussi. Voici la huitième question qui vaut 12 000 euros. Quel acteur, parmi les quatre, n'apparaît pas à l'écran dans Le Père Noël est une ordure? Bruno Moineau, Martin Lamotte, Michel Blanc, Jacques François. Dans Le Père Noël est une ordure. Il y en a trois, il y en a un des quatre. Trois qui y sont, un qui n'y est pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? J'en vois deux. Alors, vous voyez qui? Moi, je vois Martin Lamotte. D'accord. Je vois Michel Blanc, il me semble. Et après, je sais pas. Je sais pas, 50-50, non, peut-être? Ouais, 50-50. Ah, on sait jamais, un coup de bol. On essaye? Oui, on essaye. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah! L'un des deux n'est pas dans Le Père Noël est une ordure. Ou Michel Blanc, ou Jacques François. Je dirais Jacques François, réponse D. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il me semble que Michel Blanc fait partie de la troupe du Splendid. Donc. Il fait partie de? Du Splendid. Je vous en... De la troupe du Splendid. Ah oui, il fait partie. Mais c'est pas la question, hein. Oui, mais je vais voir. La question, c'est quel acteur n'apparaît pas dans le film Le Père Noël est une ordure? C'est vrai. Qu'est-ce que vous auriez dit, Marie-Hélène? J'en sais rien. Il me semble que Jacques François, il me semble. Je peux me tromper. Hein. Moi, je le vois aussi. Mais... Il me semble que c'est le pharmacien dans le film, non? Hein? Ouais, ouais. Celui qui n'apparaît pas à l'écran. C'était Michel Blanc. C'est Michel Blanc. Ouais. C'est pas grave. C'est l'obsédé au téléphone. Oui, hein. Oui, ouais, c'est ça. Mais on le voit pas? Non, on le voit pas. Il n'apparaît pas à l'écran. Il s'est l'obsédé au téléphone. Jacques François, c'est le pharmacien. Martin Lamotte, c'est le voisin irascible. Bruno Moineau, c'est Prescovitch. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est pas grave. Atterrissage c'est... en douceur quand même, hein, ouais, avec 1 500 euros. Merci beaucoup, Eric. Salut, Eric. Bon retour. Bien.